land, O motherland of mine. Sweet is thy beauty, sweet is thy fragrance. Around thee we gather as one people, as one nation, in peace, justice, and liberty. Beloved country, may God bless thee forever and ever. Ce qu'on a lutté pour obtenir cette indépendance, ça représente la lutte des Mauriciens, des Mauriciennes pour l'indépendance de leur pays. Et alors, ça nous vient du cœur et c'est pour ça qu'on chante. Mais j'espère que ça va durer. Vous commencez à dire que j'étais contre l'indépendance. J'étais contre l'indépendance. Alors finalement, lorsque les journaux ont annoncé qu'il y aurait l'indépendance en 68, comme ça, alors moi je me suis dit, mais quelle musique qu'on va mettre? J'ai tellement aimé The God Save the King, tellement j'ai aimé ça, j'ai dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre mieux que ça? Je sors, je pars de chez moi, en chemin, je marche, left, right, je chante, je suis en train de chanter la mélodie. Ta la 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 la. C'est tout. Dieu m'avait choisi pour faire ça. Incroyable. Deux hommes au destin lié. Ils ont rêvé chacun de leur côté. L'un de cette musique qui accompagnera la jeune île Maurice indépendante dans son rayonnement. L'autre, des paroles. Véritable ode à la patrie que prononceront des générations de Mauriciens. Maurice commence déjà à rêver de son indépendance. En septembre, le secrétaire d'État aux colonies, Anthony Greenwood, préside à Londres, à Lancaster House, la dernière conférence constitutionnelle de Maurice. C'est l'avenir de notre constitution qui se décide. Une interrogation qui hante les esprits, Maurice accédera-t-elle ou pas à l'indépendance? Sir Nerun Jugnauth, l'un des participants à la conférence, le seul toujours vivant aujourd'hui, raconte qu'il était déjà déterminé. Dès le départ, j'ai fait bien clair. Il y a un an, quatre partis politiques de Maurice représenté dans sa délégation-là, fallait qu'il y ait une majorité pour l'indépendance, les là pour l'indépendance. S'il y a une majorité contre, ou bien s'il y est égal, oubliez l'indépendance, Maurice pour continuer une colonie. IFB, Soukdev Bissoudéal, il n'est pas dit contre l'indépendance. Il était pour l'indépendance, mais moi il était contre le Parti travailliste. Et il n'est pas voulu qu'il gagne l'indépendance à ce moment-là. Dans nos délégations AFB, là, personne n'a pas dit qu'il a discuté avec M. Soudéal. Moi, tout seul, il dit qu'il va causer avec lui. Alors, moi, je me dis qu'ils ont raison. Je dis qu'il est pour l'indépendance, mais pas capable pour un pays là, mettre dans la main. Il s'appelle l'autre, ça m'a un bandit là, un travailliste. Et il y a un peu ruiné de la pays là. Mais j'ai dit si nous retournons Maurice, il est pour connu que grâce à nous, pas une gagne l'indépendance, ben, je peux donner un coup de balier, un coup de sabbate, et moi, je ne suis pas disposé à subir ça. Moi. Et finalement, en anglais, il interprète ce que c'est à me dire comme étant pour l'indépendance. IFB pour l'indépendance, et bon, pas bien dire, travailliste, il fait un long discours pour l'indépendance, il donne tout bonne raison,
qui fait abuser l'indépendance. À l'aéroport de Plaisance et la liesse populaire, Cécile Sagar rentre en héros avec la promesse de l'indépendance. 1966, la commission Banuel propose 60 députés dans 20 circonscriptions et une allocation de sièges d'après la représentation proportionnelle. Le rapport Banuel est contesté par le Parti travailliste, l'AFB et le CAM. Meeting de protestation à Port-Louis, 100 000 personnes rassemblées. La formule finale qui sera adoptée, 20 circonscriptions de 3 députés chacune et 8 sièges de best loser. Le Parti de l'indépendance, composé du Parti travailliste mené par Cécile Sagar Amgoulam, l'Independent Forward Bloc avec à sa tête Soukdéo Bissoundoyal et du Comité Action Musulman de Abdelrazak Mohamed, mène campagne pour l'indépendance. Le PMSD de Sir Gaëtan Duval s'y oppose, il plaide lui pour un régime d'association avec la Grande-Bretagne. Une campagne électorale d'une rare violence verbale. On vote pour l'indépendance ou alors pour l'association avec l'Angleterre. Deux blocs s'affrontent, le Parti de l'indépendance contre le PMSD. Après 65, il y a une campagne à travers l'île Maurice pour l'indépendance, contre l'indépendance. Et finalement, la Conseil général s'y fait le 7 août 67. Et moi, je suis candidat pour l'indépendance. Mais parti de l'opposition, parti mauricien, qui fait une campagne bien infecte, dans le sens qui se dire comme ça, que l'île Maurice, quand vous êtes indépendant, pour une hégémonie hindoue. Qui quand un pays là pour indépendant, pour tirer statue Marie-Reine de la Paix, pour mettre statue Mahatma Gandhi. Et qui, pour nous battre l'angouti, pour venir depuis dans l'Aisne, tout le monde met l'angouti, et madame met sari. Donc, crier partout, qui enveloppait nous parler. C'est une campagne vraiment dure. Nous sommes capables de dire que Gaëtan Tiffin réussit, gagne à la cause anti-indépendance, les Tamouls, une bonne partie des musulmans, les Chinois, les Blancs, les Créoles, et moi, je fin dire, malgré que cela fin contesté par certains, moi, je dire à peu près 95 à 98% de la population générale si avec le PMSD contre l'indépendance. Souvent, du monde croit que le rouge représente je ne sais quoi, le bleu, l'océan, le vert, la verdure de l'île Maurice, etc. L'orange, bon Dieu connaît quoi. Mais en fait, le rouge, c'est la couleur du Parti travailliste. Le bleu, c'est la couleur du Parti mauricien. Le jaune, c'est AFB. Et le vert, c'est la couleur du CRM musulman. C'est comme ça qu'il parvient à créer. Résultat du scrutin, 41 sièges au Parti de l'indépendance et 29 au PMSD après la désignation des best losers. 22 août, Cécile Sagar Amgoulam présente au Parlement une motion demandant l'indépendance à la Grande-Bretagne. Nous sommes en janvier 1968, pour lui, vit des moments très sombres de son histoire. Des bagarres éclatent à Vénus à la sortie de la capitale. Méassi et son amie d'enfance, Ghislaine Précieux, habitaient le quartier de Saint-François-Xavier à Port-Louis au moment des bagarres raciales. Elles essayent encore aujourd'hui de se réconcilier avec ce passé douloureux. Méassi a écrit un livre il y a 2 ans et a fait ériger une stèle dans la cour de l'église de son enfance en mémoire aux victimes de ces incidents de janvier 1968. Très jeune à l'époque, ces incidents ont marqué leur vie. Je peux vous dire que c'est la politique qui a tout gardé. S'il n'y avait pas la politique, personne ne savait. Certains étaient musulmans, l'autre était chrétien, l'autre était hindou, l'autre était tamoul. Nous étions tous ensemble, on ne pensait pas à ça, dans les cours en commun. Il y avait tout le monde, toutes les communautés qui habitaient ensemble. On triait le riz dans la cour, les brèdes, on épluchait les légumes. Tout le monde ensemble, personne ne se disait « moi je suis musulmane, je suis musulman, moi je suis chrétien, moi je suis tamoul ». Non, on ne pensait pas à ça. Nous étions tout le monde pareil. Et nous étions pauvres. Il n'y a aucune raison que Razak Mohamed provoque une bagarre
Parce qu'il était déjà rentré comme Besselouza. Mais la raison pour la bagarre, beaucoup de monde, ça c'était une gang warfare. Gang du Parti Borussia contre Istanbul. C'était connu ça, tout le temps tu fais la guerre. Ce n'est pas ça du tout. La raison de cette bagarre raciale, c'était qu'il dit monde partir en vue certaines personnes, certains partis politiques, pas accepter qu'ils gagnent l'indépendance, qu'ils aient continué, que l'oligarchie continue à régner dans ce pays, et non pas le parti travailliste, et non pas le prolétaire, mais qu'ils aient vraiment van lords of the manors, si vous pouvez, van colons, si vous voulez, continuer à régner dans ce pays-là, faire la pluie et le beau temps. C'était pour ça. Ce qui est intéressant de savoir aussi, alors que moi, je suis occupé surtout des musulmans, petit Rosebois, c'était Calyptis, il y a beaucoup de femmes musulmanes qui restent là, mon père Menzo, Abercrombie, tout ça. Donc, je suis dit, Mac Caffery, c'est le commissaire de police, un anglais. George Bernard Mac Caffery, commissaire de police, c'est le Getli, là, une baraque, une caserne. Je me dis, je suis content, il y a des musulmans qui veulent passer dans Rochebois, dans Sainte-Croix, aller des prêtres, tout ça, c'est une conscription, ça. Je dis, oui, on va donner le loto. Ils demandent le loto, ils demandent un revolver, ils demandent Dejmoun. C'est un inspecteur Koirati et un sergent Ramdin. Ramdin me conduit un revolver, Koirati un fusil, moi, j'ai un petit revolver qu'il me donne moi. Et donc, pour nous parler, pour aller côté Rochebois, moi, c'est la foule qui est révoltée, qui ne sont pas une droguée, c'est pas une boîte, c'est pas quoi. Moi, je dis à Koirati, nous avons 40 là, si nous rentrons pas le mot là, nous tirons, nous avons bien combi. Quand moi, arrive à Abercrombie, la police à Abercrombie, je trouve une famille musulmane qui attend un transport. Je suis une batzoute, qui tout abandonne tout. Je suis une avec 4-5 enfants. Je tiens l'auto, je tiens un maïno. Je rentre dans l'auto, de la police, c'est un maïno à l'époque. Là. Je rentre là-dedans, c'est Rick Mabat Sardine. À peine de tout finir rentrer, tu as la foule est venue. Je t'entends que mon arrive là-bas, bien tout sur la score là. Je me dis, démarrer, nous pouvons mourir là, bonhomme. Déjà, comment on arrive prêt que l'automne de démarrer tout de suite, nous allons aller. Les gens ont perdu la maison, mais j'ai perdu mon environnement. Et ce qui faisait ma richesse, c'était on était bien ensemble, tout ça, on a perdu ça. C'est pourquoi je dis, j'ai subi un dommage moral. Un chrétien pardonne toujours, mais seulement on ne peut pas oublier. Trois mois plus tard, Maurice devient un État souverain dans le Commonwealth. Pour moi, c'était la lutte. Définitivement, il fait la lutte contre les Britanniques. Parce que jamais nous finir un grand antagoniste dans l'île Maurice vis-à-vis des Britanniques. Le problème à Maurice, c'était plutôt une population qui était servile pendant des siècles. Nous finir un système esclavagiste au 18e siècle, nous finir un système, disons, colonial avec un système de plantation qu'on va travailler. Population, 90% de population de bande sujet britannique, c'est en 68 qu'ils deviennent bande citoyen. Alors c'est Maurice devient souverain. Et pourquoi? Alors, pour cette raison-là, la lutte-là, il sens destiné de Maurice. L'histoire de Maurice, ce n'est pas l'histoire des politiciens. Le développement économique, ce n'est pas le travail des ministres et des gouvernements. C'est le travail de chaque Mauricien. Hein? Donc, il faudrait parler un peu moins des politiciens et davantage des Mauriciens. Dire que Ram Ghulam est le père de la nation, c'est un peu exagéré, puisqu'il y a quand même 44% qui n'ont pas voulu de lui comme premier ministre en 1967. Donc, à la rigueur, père de la demi-nation. Quand
Quand le quadricolore est hissé au haut du mât à Maurice, à Port-Mathurin, devant le bâtiment de l'administration, une dizaine de Rodriguais ont choisi de casse-pavillon. Ils étaient contre l'indépendance. Policier à l'époque, David Élisée, 75 ans aujourd'hui, participait à la parade du 12 mars. Donc ça veut dire que je comprends qu'il prétendit voir, il n'y a aucune raison de ne pas aller les pavillons. La police met sur la masse pour les pavillons, cérémonie. À un moment, ça tient groupe, qui tient groupe, il y a 5, 7, 8 hommes là. Ça tient que moderne pour qu'on va venir pour commencer pour mettre pavillon. Et là, le dévier ça un podium là, je casse les mains pavillons, et là, il y a un déboulement des clébés. 50 ans plus tard, Rodrigue, faisant partie de la République de Maurice, est une île autonome. C'est un rêve que caressait Serge Clair juste après l'indépendance. Nous tenions un congrès en 1977, au début avril 1977. Et dans ce congrès-là, finit à peu près 9 résolutions. Et quand dans une de ces résolutions-là, nous demande qu'il y ait un Rodrigue qui a un Island Council. Et ça, Island Council là, lui donne Rodrigue une autonomie administrative. C'est là où le mot l'autonomie fin sortir, l'autonomie administrative. Et là, beaucoup d'affaires avec le temps, nous peut trouver qui besoin amende le Rodrigue Regional Assembly Act, c'est la loi de Rodrigue là. Au lendemain de l'indépendance, le bateau Patrice est dans la rade de Port-Louis. Des familles entières vont s'embarquer, destination l'Australie. Et là, se trouvait le Patrice, qui était le bateau de la Chandris Line, bateau grec, qui était venu nous prendre. Et derrière, naturellement, il n'y avait pas tout ce développement. Il y avait le Pleasure Ground. La mer allait jusqu'au Pleasure Ground, on voyait le bateau de là-bas. Et moi, j'habitais à Beaubassin, à Margravier. De chez ma mère, on pouvait voir la rade. Donc, la veille au soir, j'avais vu le bateau dans la rade. Je n'ai pas pu dormir. Je suis allé au salon, j'ai regardé le bateau qui allait m'emmener vers l'inconnu. Et c'est que le matin que j'ai pu prendre sommeil. Puis on est venu ici dans la journée. Enfin, c'était plutôt en fin d'après-midi. Bondé de monde, toute la famille, des pleurs, des grincements de dents. Et c'est un moment très, très pathétique parce que c'était un déchirement total. Alors le bateau était là, tout blanc, l'orchestre du bateau qui était là-haut, qui jouait. Après les dernières embrassades, au revoir aux parents, on est monté la passerelle, chez la passerelle, déposé nos affaires dans les cabines et puis on est remonté sur le pont pour dire un au revoir final. Et c'était très poignant. Ceux qui sont partis il y a 50 ans, alors qu'ils étaient enfants, ne regrettent nullement le choix de leurs parents. Je crois que mes parents ont pris la bonne décision. Tout récemment, j'en ai discuté avec ma mère qui m'a dit moi, je ne regrette pas du tout être venue en Australie. Mon père est décédé depuis quelques années et ma mère est toujours en vie. Et donc, on n'a aucun regret. Tous ceux qui sont arrivés il y a plus de 50 ans, ou même dans les 50 dernières années, je n'ai pas rencontré beaucoup de personnes qui ont regretté d'être venues en Australie. Ce qui est bien, c'est que la majeure partie, je dirais 99 presque pour cent de ceux qui sont partis, ont heureusement réussi. Que ce soit en Australie, en France, ou au Canada, ou en Amérique, ils arrivent à se débrouiller. Ce sont de très bons immigrés que les gouvernements... J'étais en poste en France, le gouvernement français se flattait de l'arrivée des Mauriciens qui s'intégraient. J'ai été en poste à Canberra en Australie, c'était le même. Les Australiens disaient exactement la même chose. Les Mauriciens ne nous causent pas de problème. Ils s'intègrent, ils deviennent Australiens, ils deviennent Anglais, ils deviennent Canadiens très vite. Vous connaissez l'indépendance de Maurice en 68. Nous vous inquiétons dans le contexte de l'époque que beaucoup de pays perdent dans l'indépendance, par exemple en Afrique. Et après, puis tombe dans dictature, puis tombe dans communisme, etc. Et la population souffrait beaucoup. Donc, Maurice, donc, gagne sens, évite ça, premièrement, parce qu'il permet de participer pleinement
dans conférence constitutionnelle qui fut mise par une grande fou dans nos constitutions, l'indépendance du judiciaire, l'indépendance du DPP, etc., etc., baisse plus de système pour représentativité. Néanmoins, je veux dire qu'il fut une crainte au niveau du Parti mauricien concernant le côté culturel, est-ce qu'il y a toute une culture, une valeur culturelle pour capable préserver, est-ce qu'il peut en méritocratie, est-ce qu'il peut en l'égalité des chances. Puis on dit que une crainte fin exagérée. Et moi, je pense que, bien sûr, c'est regrettable que beaucoup de Mauriciens fin quitté, parce qu'à l'époque, je ne juge d'après les conditions qu'ils ont fin trouvé sur le terrain. Dans un climat d'instabilité et de méfiance après les élections, Sir Sifsagar Amgoulam et Gaëtan Duval décident de constituer un gouvernement de coalition pour mettre fin à la peur, à la fuite des cerveaux et pour assurer la stabilité. Les élections sont alors envoyées et commence une période d'agitation sociale. Le vide créé par la coalition voit la naissance du MMM en septembre 1969. En septembre 1969, les temps de faire une manifestation contre Alexandra, c'est déjà un mouvement politique, non? C'est déjà, nous payons compte l'arrivée de la princesse Alexandra, pas en tant que la princesse, nous payons compte l'arrivée de la princesse Alexandra, parce qu'Angus Ogilvy, London Rodesia, il représente les capitalistes internationaux, c'est ça. Ah ben, c'est un mouvement là, mais il y a un mouvement politique, d'après moi. Il n'est pas grave qu'il n'y ait pas un mouvement politique. C'est maintenant qui fait nous vivre ça, qui nous vient d'être envoyé à l'élection, mais bien sûr, nous devons défendre le pays, nous devons vivre sa partie politique là. Et c'était jamais ce qui Paul Béranger dit leader. Tout le monde, mais c'est le carré, c'est extraordinaire, mais c'était un foncé, c'était un bossé, c'était extraordinaire. Les syndicats revendiquent les augmentations de salaire et le pays est paralysé par des grèves en 1971. L'état d'urgence est voté, des syndicats suspendus. Et même jamais paralysé pour vous. Chaque fois, malgré qu'il y ait la grève, mais chaque fois, nous faisons une fin de mars à qui sa quota d'icyclat respecté. Je rappelle que le juge Rampol, qui donne un award, quand tu casses zèle de salaire. Salaire n'a aucune augmentation dans le salaire. Que le juge Rampol qui vient de donner ça, quand il vient de donner ça pour les pauvres, et ça, tout secteur bénéficie de ça. Le secteur industriel et le tourisme prennent malgré tout l'essor. C'est une nouvelle ère de développement qui s'annonce pour le pays. C'est une stabilité retrouvée, elle est suivie d'un boom sucrier et d'une expansion de la zone franche. 1975, sur le pont de Grande-Rivière-Nord-Ouest, agitation des étudiants, la première grève dans l'éducation après l'indépendance. Une année plus tard, la démocratie reprend ses droits. Élection générale, une lutte à trois, PTR, MMM, PMSD. Le parti de Paul Béranger remporte le scrutin, mais ne pourra pas diriger à cause d'une nouvelle coalition, Parti travailliste PMSD. Et à l'heure où Maurice célèbre sa réussite après 50 ans d'indépendance, une communauté poursuit sa lutte pour un retour sur leurs îles natales. Depuis 1971, les Chagossiens rêvent de ce retour. Quand ils avaient pris place à bord du Note Vert, certains ne savaient pas s'ils n'allaient plus revoir Chagos, Diego et Perros Banos. Les plus vieux meurent les uns après les autres. 30 mars 2006, après trois décennies d'exil forcé, les Chagossiens ont pu fleurir les tombes de leurs grands-parents lors d'une visite. Oh, papa! Papa! Oui, papa! Ah, Seigneur, comme une bonne année! La moi! Tu es splendide! Papa! Seigneur, quand on vous donne tout ça, quand on vous donne le paradis. Le gouvernement britannique organise depuis quelque temps des voyages sur l'île.
des déplacements pas au goût de tout le monde, surtout ceux qui veulent un retour définitif et ne pas faire que du tourisme. Olivier Bancoult demeure, aux yeux de la communauté, le bon berger. La veille est la moment, et moi, la vanne vient visiter l'hôpital. Mon père est avec lui, mais sinon, il paraît qu'il est en état correct. Mais il n'y a pas de mal, il n'y a pas de l'affaire. Il dit, moi, Olivier, tu n'as pas pour un moment, mais continue tout la vie. Pas l'histoire, pas abandonné, il y a 10 personnes qui peuvent soutenir toi. Mais moi, toujours comme ça, dans mon moment, je crois que je dis, non, vous vous trouvez. Mais malheureusement, le lendemain, moi, je suis décédé. Mais ça, moi, j'ai fait une plus de moi la force. C'est toi avec mon camarade qui est autour de moi. Okay? Olivier Bancoult va tout seul. Olivier, c'est pas seulement la lettre, c'est pas Olivier Bancoult. La lettre, c'est tout ça, vous savez, sans distinction. Ben, nous savons, nous ne sommes pas l'ennemi personne. Nous tous dans le même bateau. Mais l'appel qu'il nous fait avec tous mes camarades savouchiens, qui dans l'Angleterre, qui dans Seychelles, qui dans Maurice, correct, pas laisse-nous diviser par le gouvernement anglais. Parce que le gouvernement anglais, ce tactique reste toujours pareil, devise and rule. Comment on peut arriver aujourd'hui, nous nous refusons catégoriquement l'offre financière qu'il nous fait, mais il y a des gens qui peuvent dire, nous pouvons séduire parmi nous-mêmes, parmi nous-mêmes, on dit pour se diviser, pour faire tout accepter ça. Mais le plus grand contentement, c'est que nous ne réussissons pas à nous montrer, comment dire, à un point qui nous dignité plus important qui finance. Un demi-siècle après, des documents ont été déclassifiés. Ils éclairent sur les intentions des uns et des autres au moment du déracinement du peuple chagossien. La Cour suprême de Londres s'est exprimée sur les câbles diplomatiques révélés par Wikileaks en 2010. L'État mauricien et les chagossiens parlent désormais d'un même langage sur ce dossier. Les deux parties sont confiantes quant à l'issue de la bataille légale en cours. Moi, bien confiant. Si mon parti confiant, mon parti aller. Vous voyez, il y a un camarade dans l'opposition. Vous voyez qu'ils ont été 10 votes, nous ne pouvons pas gagner dans la Nation Unie. Mais pourtant, nous avons gagné 94 votes. Nous, nous finissons de dire, ça combat, ça gaussien et que nous combat là. Il n'y a pas de combats distincts, ça. Nous combat là, quand nous gagnons le territoire. Tout ça gaussien pour retourner, et Mauricien qui voulait aller, lui aussi pour gagner droit à aller. Parce qu'il dit, nous, territoire. C'est l'histoire immobilière qui, à 50 ans de l'indépendance, le peuple chagossien, avec le gouvernement, nous le même longueur d'onde, nous devons la Cour de justice internationale, nous traîne le gouvernement anglais qui est un gouvernement. Les habitants d'Agalega retiennent leur souffle, ils ne veulent pas connaître le même sort que les chagossiens. Jamais il y a une question d'une base militaire. Et Nadimoun Peyrod empoisonne l'esprit de ben, habitants de Agalega et ben, ici même à Maurice pour faire croire ben, des histoires qui sont totalement faux. Moi, déjà, j'ai eu l'occasion de répondre à l'Assemblée nationale et moi, je n'ai pas vu bluffer ni cause ben, fausseté. Je dis exactement ce qui nous peut faire. La question de souveraineté de nos bonnes îles, de nos bonnes richesses, de nos bonnes la mer, li pour Maurice, li pour la République. Et à aucun moment, je suis capable de dire avec certitude, à aucun moment, il n'y a une question de céder quoi que ce soit à quiconque. Je ne peux pas causer sa campagne démagogique qui peut aller contre l'Inde là. Bon, pas qu'aux Islandes, mais à quiconque, et les autres pays aussi. C'est la contestation au sein du Parti travailliste. Des dissidents lancent le PSM avec Arish Boudou comme leader. Ce parti rejoint le MMM et en 1982 enlève tous les sièges aux élections générales. C'est le premier 60-0 de l'histoire du pays. Cette nouvelle plateforme politique va cependant s'écrouler en mars 1983 avec l'éclatement du gouvernement. Le MSM est formé, le PSM est dissous. Une nouvelle alliance voit le jour, MSM, PTR, PMSD, et remporte les élections d'août 1983. Le MMM se retrouve dans l'opposition. Nouvelle relance économique, nouveau regain de confiance. Sir Sussagar Amgoulam, ex-leader du Parti travailliste, est nommé gouverneur général.
et Sir Nehru Jugnauth s'impose comme Premier ministre. Gaëtan Duval est ministre des Affaires étrangères, l'industrialisation est relancée. Personne pas qui peut retrouver. IMF, World Bank, pression, on connaît qui s'y mettait l'eau au moins. Mais moi, pas une capitulée, moi. Moi, je dis aux autres, moi, je dis à IMF, World Bank, 2 mois, 3 ans. Si dans 3 ans, moi, pas sans situation, je tape des conditions plus sévères, moi, pour accepter. Toutes les conditions en 83 étaient réunies pour nous faire ça. L'économie mauricienne vient d'un succès extraordinaire jusqu'au point d'être un, l'expression du Mpadako. Mais mon Dieu, c'était un miracle. En 5 ans, de 83 à 87-88, nous finissons sortis d'une situation où il y a 20% de taux de chômage. Nous finissons arrivés, il ne faut pas vous les croire, ouais, les jeunes ne le savent pas, en bas 3%. On peut faire notre propre introspection, on peut dire, mais à culpa. Mais à culpa, il y a une petite chose qui, possiblement, les petits mots, incapacité comprend comment la classe politique fonctionnait. En 83, un bon mesure qui m'en prend, qui aboutit à beaucoup de choses, m'en dire, à nous roule dans l'institution gouvernementale comme un secteur privé. Good management, private sector approach. On crée tout ça, le National Computer Board, State Informatics Limited, on crée beaucoup d'institutions basées sur ce principe qui nous capable de gouverner de façon intelligente cette institution-là. Jamais moi t'y penser. Jamais moi t'y penser que la classe politique, pour besoin d'y aller, aussi d'une façon crie, pour capable faire, comment dire, cette institution, si au fait de Félina, que nous capable de mettre maximum de monde qui nous bat bis pour nous et qui vient d'aide nous. Bien souvent, les hommes politiques n'aiment pas dire « j'ai suivi les prescriptions du Fonds monétaire international ». Mais moi, je le dis tout haut. C'est 10 prescriptions. D'ailleurs, je les ai dans un livre que j'ai écrit par la suite. C'était, entre autres, diversifier. La canne, le sucre, ça ne suffit pas. Vous êtes une économie agricole primaire, qu'on appelle. Mais il vous faut autre chose, il vous faut exporter autre chose. Et c'est là qu'on va mettre, on va mettre beaucoup l'accent sur l'industrialisation. La qualité de vie de la population s'améliore, la vente à tempérament fait son entrée, Mammouth de Bell Village est né. There were queues and queues of people for several days. The police were having to allow people in maybe 20 or 30 at a time. So it was quite extraordinary. Mauritius had never really seen anything like that. Ce qui rend la vie des ménagères moins difficile, les premiers meubles sont installés dans le salon et puis il y a l'arrivée de la vidéo. Mais avant la vie d'améliorer, la vie tu bien dire. C'est un petit cas, tu fais l'économie quand tu travailles, j'ai une master à P-Block pour monter ça. J'ai bouché tout le cordon, la porte est séparée. Pour qu'elle ne reste à la case, en bas, rose. Remplissage, rose. Prends tout à fait à mettre là. Les gars, ça c'est un petit peu de ciment, mais tiens, sali. Là, nous commençons à se faire. Là, commence à se faire. L'industrialisation a permis la naissance de beaucoup d'entreprises qui portent aujourd'hui très haut les couleurs de l'industrie locale, avec des marques qui sont désormais bien ancrées dans les mœurs mauriciennes. On a justement voulu créer autour du label cette fierté, ce sentiment d'appartenance à une marque qui représente les goûts, les valeurs, les préférences des Mauriciens. Pour nous, ça allait aussi avec la tendance qu'on retrouve à l'international aujourd'hui de manger local, consommer local. Et il se trouve qu'en quelques années, donc quand on a commencé le Made in Maurice il y a 5 ans, c'est vrai que la marque, ou en tout cas tout ce qui faisait allusion à production locale, était un peu dénigré. Aujourd'hui, en l'espace de 5 ans, avec notre projet, mais surtout avec la panoplie d'autres projets aujourd'hui qui mettent en évidence et qui font la promotion du local et du Maurice, aujourd'hui, la perception des consommateurs mauriciens est en train d'évoluer. Certaines entreprises, comme la biscuiterie Raux, qui a joué un rôle prépondérant pendant la guerre, ont résisté à la compétition et continuent aujourd'hui à se développer. Heureux
malheureusement pour nous, les biscuits manioc n'ont pas de compétiteurs. Mais en plus de ça, allons dire que c'est un produit qui représente les idées qui sont à l'ordre du jour, hein, qui sont dans l'air aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un produit où on n'ajoute pas de colorant, on n'a pas de conservateur, on n'a pas de rehausseur de goût. C'est un produit vraiment, il y a du sucre, de la farine de manioc et le produit naturel qui va être la saveur, le coco râpé, le sésame grillé. Enfin bon, les 7 saveurs de biscuits, 4 saveurs de galettes, quoi. L'industrie locale a pris des couleurs. Des jeunes acteurs aujourd'hui commencent à grappir des parts de marché dans des secteurs qui jadis étaient des monopoles. On a décidé d'investir dans la qualité. On a une production moderne, très efficiente aussi. On a une belle équipe. Et ce sont nos raisons principales de réussite jusqu'à maintenant. Et c'est vrai qu'il y a la compétition féroce des marques internationales. Mais à Maurice, on peut aussi réussir. Ça a beaucoup changé avec la venue de la marque Made in Maurice. On a attendu quand même 45 ans après notre indépendance pour développer une marque, le label mauricien. Et j'espère que ça va durer aussi et que ça redonne de la fierté aux Mauriciens de consommer localement. Le réel défi de notre industrie, oui, est de faire face à la compétitivité. On pense que on a une vraie volonté des autorités d'accompagner l'industrie, mais le challenge n'est pas simple. Donc il appartient à tous vraiment de travailler de manière collaborative sur ce succès, plutôt que de se dire est-ce qu'on a le support qu'on veut. Donc oui, il faut continuer à travailler ensemble. Maurice, en 50 ans, a connu une avancée époustouflante, reconnaît souvent les dirigeants du continent. Elle a su résister aux crises, développer son économie, mais a été surtout à l'avant-garde avec la création des secteurs comme la technologie informatique et des communications depuis les années 2000. Les entreprises se sont diversifiées, le climat des affaires s'est amélioré, ce qui pousse les chefs d'entreprise à voir plus loin. Maurice est un pays totalement attractif pour le business. Notre Ease of Doing Business Index est très correct. Il y a des opportunités dans différents secteurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, par contre, allons dire que tous les low-hanging fruits du passé ne sont plus les mêmes et qu'il faut aujourd'hui arriver à être vraiment innovant, à chercher des nouveautés, les nouveaux secteurs et l'effort pour tout investisseur, pour tout entrepreneur est peut-être plus grand aujourd'hui. Mais Maurice reste définitivement un pays attractif. Dans les champs de canne, les petites mains ont résisté à la mécanisation et la transformation de l'industrie qui est connue aujourd'hui comme l'industrie cannière. Même les mains passées, mais toujours avec nous, ça qui paye. Nous faisons bien couper une canne en plus pour rester. Nous allons aller. Il y a un moment, même si nous coupons les propres. Il y a un moment qui est long, long, canne, nous faisons pas se poser hier. Les feuillages et l'utilisation de la faucille dès l'aube n'est plus un secret pour Mohania. Un travail qui lui a permis de nourrir sa famille et avancer dans la vie. C'est fatigué pour gagner casse, non? En plus qu'on gagne, nous avons équipé, nous avons acheté. Regardez, si on a fait les mêmes matelas, même si on a quelque chose, nous avons gardé, acheté. Nous avons gardé tout casse. Derrière les champs de canne nichent souvent des établissements hôteliers qui ont permis à Maurice de garder son image de marque sur le plan international depuis des décennies. Le tourisme, un secteur toujours porteur et qui a connu une véritable métamorphose. More and more attention is being paid to more interesting sites and locations in Mauritius. And I'm constantly visiting different parts of the island. To look for potential as to where we can develop hotels, resorts that will be more attractive to perhaps a different market, a different type of traveler. Après le téléphone fixe dans les maisons, la téléphonie mobile fait son apparition avec Mtel, une révolution. Aujourd'hui, un seul individu en possède au moins 3, se connecte au quotidien à l'Internet. Et l'Internet, justement, le taux de pénétration dans les familles a connu un véritable boost ces dernières années avec l'avènement des réseaux sociaux. People want the latest in technology, so we have to upgrade. Like we were the first to offer the pan-island high inter-speed interconnectivity. Then we were the first to offer 3G. Then we were the first to on 4G across the island. And now we are there almost all across in 4G. Everywhere in Mauritius and in Rodrigues as well.
Il y a ceux qui voient loin et ceux qui sont attachés à la tradition familiale. De plus en plus rares, ces boutiques ont pendant longtemps fait partie du paysage local, offrant des facilités de paiement aux familles. Depuis l'hypermarché Continent, les chaînes de supermarchés ont fleuri à travers le pays. Winners, une marque 100% mauricienne, est aujourd'hui présente aux quatre coins du pays. Le Winners a commencé en 1994, la même année qu'à l'époque Continent Civil Maurice. C'est une année quand il y a une révolution dans la grande distribution. Et Winners, il relève le pari de s'implanter surtout en région rurale pour commencer. Parce qu'il nous tient envie, nous tient une visée à long terme. Il nous tient envie que tout ban mauricien qui est dans une région urbaine ou rurale adopte Winners. 24 ans après le 12 mars 1968, Maurice passe d'un statut de monarchie constitutionnelle à celui d'État pleinement souverain. La République de Maurice voit le jour. C'est le résultat d'une alliance électorale entre le mouvement militant mauricien et le mouvement socialiste militant. Les dirigeants optent pour une république parlementaire. Le Premier ministre est le centre du pouvoir et la présidence, le garant de la Constitution et des valeurs de la République. Des voix se sont élevées contre. Un certain Navin Chandra Ngoulam, qui n'était pas encore membre actif du Parti travailliste. Je ne compte pas le projet de la République. Je ne compte pas le projet. Et je compte plusieurs clauses dans sa mention constitutionnelle qui peut faire. Une des affaires qui est vraiment fortement contre, c'est que Djanga veut abolir l'appel au Privy Council. Et moi, je dis c'est une garantie pour Maurice. Si le Privy Council pas exister demain, tout Mauricien peut être garanti. Ça dit, je n'ai pas le droit Privy Council, je dis oui même. C'est pourquoi je me dérange, je paye mon ticket, je viens et je demande un rendez-vous et je dis pourquoi je dis qu'il peut faire une erreur. Mais je viens parce que je pense que c'est un gros erreur si nous abolit le droit d'appel au Privy Council. Les malgré le leader du Parti travailliste, Sat Kamboulel, d'accord au moins, mais il n'est pas pour objecter parce qu'ils ont une grosse majorité. Et il n'est pas légal amendement. Je ne suis pas d'accord, lui. Je ne suis pas d'accord avec ce travail à l'époque-là. Et d'ailleurs, Sat Kamboulel fait appel à moi là, quand je dis que je ne suis pas d'accord avec tous les jours. Je me dis ouais, parce qu'ils ne veulent pas payer l'intérêt pays, ça ne veut rien payer son intérêt là. And assume office as the first president of the Republic of Mauritius. Exit la fonction de gouverneur général, Sovira Samiringadou devient le premier président. Ensuite, c'est Kassamoutim qui prendra le flambeau jusqu'à sa démission en 2002 quand il refusa de donner son assentiment à la Prevention of Terrorism Act. Parti MSM, Tipou, en cas de victoire, donc le premier ministre, et quelqu'un du MMM, Tipou, le président de la République. Et la personne qui t'y choisit au début pour être le président, c'était M. Paul Béranger. Mais au fil des jours, pendant qu'il nous approche les élections, nous finissons de décider qui nous pour choisir une autre personne au sein du MMM pour être éventuellement le président. Et c'est comme ça que le choix finit le mois après le résultat des élections et en attendant que Maurice Tipou passe au stade de République. Voilà comment je suis président de la République, comment je dis dans mon rêve, mon petit grave, pense. Depuis 2015, Maurice a choisi une femme à ce poste, une première depuis l'indépendance, mais le rôle de la présidence n'a guère évolué. La tentative du tandem de 2014 Béranger-Ngoulam avait été rejetée par l'électorat. Une deuxième République, tient ça dans le passé assez récent. Il y a des affaires qui nous besoin réfléchir, nous besoin avant tout guetter, qui faire, nous besoin changer pour commencer. Est-ce qu'une deuxième république pour répondre mieux au fonctionnement de l'institution, valeur du jour, on pas trouver qu'il est nécessaire, parce qu'il peut marcher très bien comme il était, comme on dit, évidemment, il y a une petite affaire à droite, à gauche, mais il y a suffisamment la loi qui est capable de faire, qui les acheteurs capable de faire encore plus. Mais, ceci dit encore une fois, les institutions sont faites d'hommes et de femmes, et que chacun qui a la tête à l'institution, il est bien assuré qu'il ait servi la loi à sa disposition pour qu'il y fasse les institutions marcher.
Ou pas besoin d'un changement constitutionnel pour faire ça. Ou besoin de plus en plus de gens qui prend cette responsabilité à la tête de l'institution pour faire les choses marcher. L'unité dans la diversité, c'est le vivre ensemble mauricien. Maurice, cependant, a vécu après les incidents de janvier 68 un autre moment sombre. La mort de Kaya en cellule policière le 21 février 1999. Des émeutes éclatent dans la capitale, suivies d'incidents dans d'autres parties du pays. Maurice paralysé pendant 72 heures. Le chanteur berger Agathe croule sous les chevrotines de la police à Rochebois. Deux autres décès à Bambou, Limel Goustia et Michel Laurent. Et là, vraiment, je suis surpris parce que des autres, il y a un laquais du monde qui est sur Zen, qui est sur Vier, qui est sur ma tante Sinois, qui est sur Madame Dansari. On trouve toute communauté et tout l'âge peut faire laquais pour aller à Kaya sur les courants pour une dernière fois. Et en 50 ans, jamais on trouve mon pays brûlé, souffert et raciste comme on l'était en 1999. Et quand on arrive ici, toute la nuit, gaz lacrymogène peut tomber ici. Les enfants peuvent pleurer, les yeux peuvent brûler. L'eau s'y met là-bas. Gaz peut gagner un gros pavé comme ça, l'eau la tête. Et je me rappelle, moment, il y a une barricade. Ici, il y a tout le en quarantaine. Là, tout le en quarantaine est traversé. Saute l'eau, jeep, saute l'auto, la police traverse de l'autre côté. Comme il traverse de l'autre côté, il traverse l'eau au point là-bas, repousse l'autre cas ici. Vas-y, il fait des allers-retours, il crase la police des fois. Et moi, quand je me trouve ça, je me trouve la police peut blessé. Je me dis, maintenant, je ne suis pas foutu, je comprends. Ben, la police aussi, je me dis, je suis innocent. Ben, la police, c'est de la famille. Il dit, ben, tu es un violent comme ça. Je me trouve politicien, je me trouve mon père, tout peut marcher pour te calmer. Dis, mais pas de calmer parce que quand le gaz lacrymogène tombe dans la case, on finit avec cette l'équerre, un quartier. On cherche que l'économie ne cherche pas seulement à développer, à faire beaucoup d'argent. Que le rêve de l'île Maurice, ce n'est pas d'arriver dans le high income group, mais que les personnes se développent et que chacun puisse développer ses talents et se mettre au service du pays. Il y a beaucoup de jeunes qui sont un peu, comme vous savez, même des jeunes diplômés qu'on n'arrive pas à employer, qu'on n'arrive pas à trouver. Et les 7% de chômage, d'accord, ce n'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup de personnes. Il y a un effort à faire là. Le pays connaît une période sombre. En mai, l'amicale de Port-Louis est incendiée. À l'intérieur de la maison de jeu se trouvaient des employés et les membres de la famille du propriétaire. Depuis l'indépendance, deux familles ont dirigé le pays, Jugnot père et fils et Ramgoulam père et fils. Il y a eu cette parenthèse de 2 ans pour permettre à Paul Béranger de devenir Premier ministre. Maurice a pendant cette période approfondi sa démocratie avec la libéralisation des ondes. La naissance des radios privées à Maurice en 2002, celle de la télévision se fait toujours attendre. Un demi-siècle est passé, le nation building est toujours en marche. Il y a toujours ce besoin de cimenter la nation mauricienne. La plupart payent une fête d'indépendance. Nous venons indépendants sous l'état d'urgence, sous la protection des baïonnettes anglaises et après une bagarre communale. Mais sur explication, ça dit tout dans sa 10 ans qui ne précède 1968, 56-1956, Rosemont Mo, 1958, Ringanaden Snivasen Mo, il nous glisse vers sa catastrophe-là, nous passe pas une élection qui ne fait un ouen, dit-on, terrible élection 1959. Et 1963 aussi, une élection qui déchire nos pays. Sa période-là, il est loin, heureusement. Nous n'est plus dans une même, nous pas dans une situation idéale, certainement pas. Mais bottom line, nous bien progressé. Nous encore, nous ne passons pas l'épisode Kaya. Encore, mon papa dit du tout que nous nations arc-en-ciel, nous l'unité dans la diversité idéale, loin de là. Et nous ne passons pas bas de moment comment l'affaire Kaya, l'épisode Kaya. Mais ben du monde qui connaît l'histoire de Maurice. C'est à toute sa période qui m'a payé les autres 58-68 là. Nous ne bien progressé, mais reste beaucoup à faire. Le
Le sport aura été pendant ces dernières décennies le déclencheur de ce sentiment d'appartenance au quadricolore. Outre les finales olympiques, les Jeux des îles ont été des moments d'émotion et de grande ferveur pour la population. Déjà pour 50 ans, 30 ans d'année, 50 années prochaines, mais moi avec l'évolution de Motopiena et l'encouragement qui m'en a trop si je peux gagner, là le ministère finit en plein chaîne pour 2024, Olympique 2024, et puis Beto Banchan qui est potentiel médaillé, et pourquoi pas. Que du chemin parcouru pour la jeune île Maurice, le pays aujourd'hui place sa confiance dans la jeunesse, elle sera le catalyseur pour le prochain demi-siècle.